cette charte, elle est magnifique. Ton lunch, il est magnifique, non? C'est super. On va remercier tous ceux qui ont participé au travail. Attention, 1, 2, 3. Bonsoir, on est au Royal Palace à Kirwiller en Alsace. Bonsoir, on se trouve à Kirwiller Royal Palace. Ça, c'est le dernier projet de Disco Designer en France. Je vous présente Monsieur Pierre Meyer, le propriétaire de Royal Palace. Bonsoir. Écoutez, moi, je suis très content d'être avec Maya parce que ça fait un an qu'on travaille sur ce projet. C'est un projet qui est très réussi. On est très content du résultat. Avec demain, Mathieu, dis-moi comment tu trouves le travail avec Disco Design. Qu'est-ce que tu penses pour le Launch Club pour... Ça, c'est votre dernier projet, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, on a, avec la famille, donc mes parents, on a décidé d'agrandir notre structure et de construire un Launch Club. Et pour une des idées de décoration, j'ai regardé sur Internet et je suis tombé sur Disco Designer. Sur Google ? Sur Google, oui, voilà. Et je me suis rappelé qu'on avait déjà vu sur la Messe à Francfort une exposition et qu'on avait vu la qualité des produits. Donc j'ai dit à mon père, j'ai dit on va prendre l'avion pour aller en Bulgarie, à Rousset, voir le showroom, le plus grand showroom que vous avez. Et donc, c'est sur place qu'on a décidé de faire tout ce projet avec Disco Design parce qu'on a trouvé que ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait faire. Les points les plus importants, en fait, ce qu'on a travaillé avec M. Bruno, l'architecte. Le plus important pour nous, c'était de trouver 1000 places assises pour les clients de M. Pierre Meyer. Il y a quand même 2200 mètres carrés, hein. Il y a de la place. Et donc, c'était une chose... pas facile à gérer, quoi. Mais on a réussi, grâce bien sûr, hein. À Disco Design, hein, ils ont bien fait leur travail.